2009-2015, ça fait combien? 6 Gordon que je fais. J'ai jamais vu autant de public et j'ai jamais vu une telle ferveur du public au décollage. Quand on a décollé, nous les premiers Français, on ne s'attendait pas à ce qu'ils réagissent comme ça. Et ça nous a fait un petit peu bouger les tripes pendant un moment, les entendre nous acclamer, c'est vraiment merveilleux. On est arrivé ici jeudi passé. Et l'accueil, c'était très bien. Ici, la registration, après beaucoup de monde qui suivit toute la compétition et tout le vol ici au terrain, c'était très bien. It has been an extraordinary race. We have the Cooper Aeronautic Gordon Bennett since 59 years. And you always think it cannot be topped. It can't be bigger and longer and more challenging. But this year, it was another highlight. Magnifique. Moi, je vibre là. Je suis encore émotionné. Le cadre était magnifique. Les gens très sympathiques, un engouement phénoménal. Pau, c'est vraiment magnifique. Et je pense que si vous habitez là, vous pouvez être heureux. Quand Vincent Leys a gagné en 2013, j'ai proposé à une personne qui travaille à la mairie de Pau, Paul Mira, d'organiser cet événement à Pau. Et Paul Mira a fait remonter l'information dans les services de la mairie. Et finalement, la mairie a accueilli le projet avec enthousiasme et a validé le projet. Mais oui, mais je trouve que ça fait effectivement une belle image. Et en particulier, on pourrait très bien dire que Pau prend son envol. Et je trouve que symboliquement, c'est très sympa. Et Pau est connu pour son ciel clément. Et c'est pour ça que les frères Wright avaient pu effectivement créer ici toute une activité d'aviation. Et la Gordon Bennett a créé aussi sa course et elle a tout à fait sa place. Que de la satisfaction. On a des retours très positifs des pilotes. On a vécu une course magnifique. On a un décollage avec des conditions météo idylliques de Pau. On a eu un public formidable qui a acclamé le départ des ballons toute la nuit et c'était vraiment un moment magique comme c'est nous l'offrir la Gordon Bennett. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment, ça va être des super souvenirs et puis c'est aussi une super expérience. C'est le résultat, donc c'était notre objectif et donc notre résultat. Donc c'est vraiment, vraiment fabuleux que justement tout, que ce soit le public ou les pilotes, aient la même sensation de réussite. En plus, c'était à Pau, c'est-à-dire la ville de France qui a été le berceau de l'aviation, puisque les frères Wright ont volé pour la première fois à Pau, que Blériot a volé pour la première fois à Pau. Et donc, il y avait quelque chose d'une ville qui retrouve son histoire. Écoutez, c'est magnifique. Je crois que c'est très événementiel. Ça prend une place déjà quantitativement énorme, donc il faut de la place. Mais visuellement, c'est magnifique. Et c'est vraiment très pur dans la façon dont c'est organisé. Le ballon où les montgolfières étaient présentes. Donc ça, c'est magnifique. Ça amène aussi beaucoup de couleurs. On l'a vu avec le Night Glow. C'était magnifique. Et donc pour ça, je pense que tout le public et tout le monde ne peut que apprécier ce spectacle. On a fait voler à peu près 250 passagers déjà. C'est quelque chose que je voulais organiser sur Pau depuis très longtemps et à l'occasion de la Gordon, c'est plutôt sympa. Des vols qui se sont déroulés sur l'agglomération, mais également au nord de Soumoulou, sur le lac de Gabas.
Bah, j'étais très impressionnée. J'ai trouvé d'abord le site très agréable, avec l'espace devant l'hippodrome. Ça a vraiment été très agréable. Et puis, j'ai été surpris par le nombre de personnes qui sont venues. Le public était vraiment présent le soir. Il y avait beaucoup d'animation. C'était dynamique. J'ai trouvé ça très bien. Après, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde. Je pense que ça a forcément aidé à avoir une vraie ferveur populaire. On avait aussi les moyens qui permettaient d'accompagner le départ. Hein. L'orchestre de l'Harmonie Paloise a été super. Les moyens qui avaient été mis en place, vidéo, son, étaient au top. Et donc, tout ça, ça a permis vraiment de faire une belle fête pour accompagner le départ des ballons. Pour moi, la Gordon Bennett, il faut savoir que ça représente tout dans ma vie, puisque je me bats depuis 40 ans pour faire survivre le ballon à gaz en France. Donc c'est toujours une émotion énorme. Et de voir toute cette énergie dépensée pour organiser cet événement, j'étais super heureux. Vraiment, c'est un retour en arrière en 1905. À chaque décollage de Gordon Bennett, on a une énorme émotion. Et alors là, encore plus particulièrement, là ici, avec les Pyrénées dans le fond, là, c'était extra. On ne connaissait pas la région, non. C'est une région assez séduisante, je dois dire. C'est assez vert, mais on a eu du beau temps. On a bien mangé. Donc, c'est les ingrédients à peu près nécessaires pour passer un bon moment. We were quite welcomed here. I mean, we never have been here. And we were quite excited to see what's going to be down so low in France, what's going to be it, close to the Pyrenees. So, but the people were very friendly, and the organizing team here locally was doing everything they could that we were in good shape and that we get enough rest. For us, it was perfect. The place for Gordon Bennett was very special because on the back there are Pyrenees, high mountains. When the wind goes through these mountains, it's very dangerous and also not so easy, difficult to fly. But we were very happy when the wind goes to the sea and afterwards to northeast. So we are very happy to start here because a long flight we could make. De voir décoller 16 ballons, c'est fantastique. En fait, 16 ballons à gaz venus exprès pour cette course, c'est exceptionnel. De l'intérieur, en fait, on donne un top départ et après c'est automatique. Tout s'enchaîne et c'est facile. Ce qui est intéressant, c'est toute la préparation qu'il y a en amont, justement pour pouvoir donner ce top départ et pour les laisser faire la suite. The first Gordon Bennett launch I saw was in 1992, so I've seen many. And the décollage here, the launch was really spectacular. 5,000 people until midnight hearing the anthem, singing, dancing, very emotional, almost heartbreaking. I can't remember to have seen such a launch before. Very nice. Le fait d'entendre la Marseillaise chanter lorsqu'on a décollé, c'est vrai que pendant un certain temps, on a été assez estomaqué. À tel point que j'ai remercié le public du haut de la nacelle où on devait être déjà à peu près à 80 mètres d'altitude, tellement ça a été fort. Mais c'est vrai que pendant les 30 premières secondes, on ne parlait même pas dans la nacelle, tellement c'était chaud d'entendre ça. There were many people, around 5,000 I heard. So it's very nice when people come to see our sport and the balloons left go up. Yeah, it was very nice. Yeah. Ah, j'étais très ému parce que ça avait quelque chose de
splendide et en même temps de très bouleversant par la fragilité de cette nacelle qui emportait sous 1000 mètres cubes de gaz des équipages qui allaient traverser des milliers de kilomètres au risque de quelques accidents. Et l'alliance entre cette fragilité et cette majesté avait quelque chose de très émouvant et sentimentalement très attachant. L'envol, c'est un moment un petit peu hors du temps, comme ça. On capte bien ce qui se passe. Hein. L'hymne, le public là, qui était en pleine verve à ce moment-là. Non, c'est un moment un peu hors du temps. Et puis, c'est le démarrage de quelque chose, parce que cette course, elle a deux volets. Elle a un volet préparatoire. Donc, c'est tout ce qu'on s'est raconté depuis des mois, en fait. Hein. Le conditionnement du ballon, l'optimisation technique, les entraînements, nos briefings propres, etc. Le gonflement. Et puis après, c'est autre chose qui commence. Et l'autre chose, c'est le vol. Et effectivement, quand on part de cet hippodrome, c'est toujours un peu magique, quoi. Il y a une lumière particulière parce qu'il y a des projecteurs, il y a une ambiance particulière. Et puis d'un coup, paf, on quitte cette espèce d'effervescence pour une grande quiétude. C'est une transition très particulière qui met fin à la préparation et qui est le commencement de quelque chose qui, pour nous, aurait dû probablement être plus long, mais voilà. Et puis après, au moment où on lâche le ballon, c'est des sentiments et une émotion énorme parce que on espère de pouvoir les récupérer CNSO quand ils auront posé. Et puis après, la poursuite, c'est toujours un peu voir la concurrence, voir si nous on a la bonne stratégie, voir si les pilotes ils tiennent le coup, s'il y a tout qui est d'après le plan, si la météo elle joue. Et non, c'est vraiment c'est une aventure extraordinaire. Petit apéro au tuc saumon. Il faut bien respecter un peu la tradition quand même. Ouais. Voilà. Allez, on est actuellement à 1700 mètres, en plein nord. Et tout autour, c'est de la mer. On n'a pas eu assez l'an dernier. Donc, on continue. Et le ballon va vachement bien. En gros, 50 minutes après avoir décollé, j'étais déjà en train de dormir, faire mon premier quart de sommeil, de façon à laisser Benoît donc aux commandes. Ensuite, je me suis levé à peu près une heure et demie après, où j'ai pris le quart, Benoît s'est reposé, et on fait ça pendant pratiquement 3 jours. Ensuite, donc, on a appliqué la stratégie qu'on avait définie dès le départ, c'est-à-dire donc partir sur l'est de Paris et non pas aller sur l'ouest de Paris. Où nous avons pu passer tranquillement par rapport aux autres équipages, on a pu passer tranquillement. La course, le problème, c'est qu'elle a été écourtée parce qu'on a rencontré des fronts orageux au nord, justement pas loin de chez nous. Et on a pris les risques pour aller le plus loin possible et ça n'a pas payé. Mais bon, on va essayer d'y remédier pour l'année prochaine. On avait de grosses espérances qui sont malheureusement un peu terminées vite, mais on ne défie pas la nature, donc c'est comme ça, c'est le jeu. Our meteo guy already informed us at the beginning that we should not go this way because it will get strong winds and bad weather. So we decided not to go for that. But still, we watch them also and hope that everyone is safe and everyone will come through it. And we were also happy to see them landed safely on the ground. Eh bien, après, on l'a fait comme tous les autres, c'est-à-dire qu'on s'est mis sur le live tracking, on a suivi ça avec passion. On a été très 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 impressionné par la performance des autres équipages. Moi-même, j'ai suivi comme un fan sur Internet, pour ainsi dire heure par heure, en tout cas 2 ou 3 fois par jour, l'évolution des ballons, la trajectoire qu'ils suivaient, les espoirs qu'ils représentaient et les 2080 km qui ont été franchis par l'équipage vainqueur.
Je trouve que c'est un magnifique exploit. Et même après en Pologne, il y a des gens qui s'arrêtaient, qui nous montraient des pouces et qui montraient derrière. On se demandait d'où ils nous connaissent, mais apparemment, ben, c'était vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de vagues. Et c'est beau de remettre un peu en valeur un sport ou une activité. On se dispute toujours est-ce que c'est un sport ou pas. De mettre ça un peu en avant et de montrer oui, c'est un sport parce qu'on se donne tout et on, quelque part, on risque peut-être un peu notre vie. On prend du risque et c'est d'adrénaline. Et puis, c'est pas du coaching. Du coaching du canapé. Hein. Ben là, je suis très heureuse d'avoir accueilli cette manifestation à Pau. Je retiendrai un formidable lancement de la Gordon Bennett le vendredi 28 août, qui s'est fait vraiment dans une ambiance extraordinaire, avec beaucoup de monde à l'hippodrome. Et je trouve que c'est vraiment une course qui fait rêver. Et là, maintenant, je suis ravie de voir que tout le monde est arrivé à bon port, avec un suspense pendant toute la course. Tout le monde est arrivé à bon port et donc je suis ravie qu'on puisse faire une belle soirée de retour à l'hippodrome. On a eu la chance d'avoir de vrais partenaires qui nous ont suivis pour arriver à faire cette Gordon Bennett, des partenaires institutionnels et aussi des partenaires privés. Sans eux, je pense qu'on ne serait pas là, on ne l'aurait pas faite la Gordon, ça c'est sûr. Donc un grand merci à eux et puis un grand merci aussi effectivement à l'ensemble des gens qui nous ont aidés dans la préparation. Et on a, grâce à tous les bénévoles et à tous les partenaires qui ont aidé à la réalisation, fait une prestation à mon avis de très bon niveau. Alors, on a quand même beaucoup travaillé sur cette Gordon qui, de mémoire à mon avis, restera un grand succès. Bravo à toute l'équipe qui a travaillé. Le résultat est tout à fait remarquable. Ça a été très très bien accueilli par tous les Palois. On a eu énormément de retours positifs et donc nous, en tant que hôte d'accueil de la Gordon Bennett, on est satisfait que les organisateurs aient pu réussir cette organisation et cette édition. C'est plutôt satisfaisant pour nous parce que c'est un événement difficile à organiser. Donc c'est plutôt satisfaisant d'avoir ce résultat éprouvant. Mais un très bel événement organisé.